وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المتوكل c'est celui qui prend les causes. Qui était le meilleur des mutawakkilin? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez comment il a fait pour faire la hijra entre Mecca et Medina. Il a pris un guide, il a pris quelqu'un pour brouiller les traces, il a vu avec quelqu'un pour lui ramener à manger, il a pris un chemin qui n'est pas un chemin habituel pour se cacher un moment, pour repartir après quand ils ne le chercheront plus. Tout ça, c'est des causes ou c'est pas des causes? Il aurait pu dire, atawakkal ala Allah, allez, je sors tout droit, bismillah. Non. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'est-ce que c'est at-tawakkul. D'ailleurs, ça c'est une leçon pour tous les frères et les sœurs qui préparent la hijra. C'est pas ils préparent pendant des années, 20 ans, 30 ans, je vais faire la hijra. Mais ils font un minimum de causes. Car s'ils ne font pas un minimum de causes pour arriver dans des conditions acceptables, ils vont revenir comme ils sont partis. Après, ils seront découragés, comme c'est arrivé à beaucoup. Quand on dit les causes, c'est pas attendre d'avoir un palace ou d'avoir des millions d'euros. Il sait au moins, il a un plan, où il va aller administrativement, comment il va faire. Est-ce qu'il peut rester dans ce pays? Parce qu'aujourd'hui, il y a les problèmes administratifs. C'est pas juste, tu vois, comme ça, comme avant, en terre d'islam. Tu viens, je suis en terre d'islam, tu plantes ta tente. T'arrives, ils vont te dire tes papiers, sors, va faire ton visa. Hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la plus grosse difficulté aujourd'hui. C'est pas le risque, les gens croient, la plus grosse difficulté, c'est le travail. La plus grosse difficulté pour les hijras, c'est les papiers. Car sinon, ce serait facile. Mais il y a le risque partout où tu vas, Allah, il te l'a écrit. Tu réfléchis, Inch'Allah. En plus, dans les pays musulmans aujourd'hui, il y a beaucoup plus de risques et de travail à faire qu'ici. Wallah, même les entrepreneurs non musulmans, ils vont investir dans les pays musulmans. Ils disent en France, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'argent à gagner. Pour vous dire, ce n'est pas le problème d'argent. Tu organises les choses, tu sais où tu vas aller, tu sais comment tu vas faire tes papiers, tu sais où tu vas te poser, tu vas repérer l'endroit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, il a envoyé Mus'ab ibn Umayr un an avant, il a préparé le terrain. Il a fait le pacte avec les gens de la Médine, l'Aqabat al-Oula, puis la deuxième. Après, il est parti. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la première année, ils lui ont dit, viens, on t'accueille. Ils lui ont fait le bay'a, il a dit, retournez, il leur a envoyé un enseignant. Ils ont préparé le terrain, il a fait da'wa aux gens, les gens ils sont entrés en islam. Ils étaient tous prêts à accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année d'après. N'est-ce pas? Hakada. Donc la personne, il apprend comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il fait un minimum de causes en bonne et due forme, puis il s'en remet à Allah. Après, il n'attend pas que tout soit parfait. Le problème ici, nous, ce n'est pas le tawakkul, c'est le ta'akul. On est habitué à quoi? À être nourri, logé, blanchi. On est assisté. Donc le gros problème des gens de France, c'est ça. On est tellement habitué à être assisté, on est perdu quand on n'est plus assisté. On n'arrive pas. Et ça, c'est un problème qui nous est propre à nous ici, là, en France. Hein, les aides sociales, l'APL, sécurité, tout est gratuit. Les médicaments gratuits, l'hôpital gratuit. Va dans un autre pays, tu vas voir. Rien qu'à aller chez le médecin, ça coûte cher. Les gens, ils vont pas chez le médecin tout le temps. Ça coûte cher. Les soins, alors si tu rentres à l'hôpital, ça coûte très cher. Et ça, alhamdulillah, c'est ça va t'enseigner de tawakkul. T'en remettre à Allah, tabarak wa ta'ala. Donc, il faut se libérer, c'est pour ça. Barakallahu fikoum, comme Cheikh Al-Albani disait, rahimahullah, quand il a été questionné sur les aides données, il a dit, c'est pas permis. Il a dit, le musulman, il ne tend pas la main. La main haute, la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Il a dit, comment sens-tu? Tu acceptes que le kaf, il est meilleur que toi? C'est lui qui te donne et toi, tu reçois? Il faut se poser des questions. Le musulman, il doit avoir la izza. Il doit lever la tête, marcher la tête haute. Il tend pas la main. Il ne tend pas la main. Et c'est ça le sens de la mendicité qui est détestée en islam. Tendre la main. Bien qu'eux ils disent c'est un droit pour tous les citoyens. Nous on dit pas, on parle pas du hukm, haram ou halal. Je vous parle que cette chose, il faut qu'on s'en débarrasse si on veut avoir un bon islam. Il faut qu'on apprenne à être indépendant. Et c'est ça qui va nous aider à faire une bonne hijra. Il faut se débarrasser de cette éducation qu'on a eue d'être assisté. Et là, Inch'Allah, vous allez voir, la personne elle va être beaucoup plus entrepreneuse, entrepreneur. Il va pouvoir entreprendre plein d'idées. Mais tant qu'il est assisté, il va aller où? Il est habitué qu'à être assisté. Comment tu veux qu'il se débrouille où que ce soit? Non. Ça rend dans le tawakkul. Et barakallahu fikum. C'est une chose sur laquelle il ne faut pas se laisser aller et il ne faut pas négliger. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا